Moïse Katumbi, c'est un voleur. Pourquoi yo, Félix Tshisekedi, qui proclame l'état des droits, ozo kanga Moïse Katumbi te? Pourquoi ozo kanga, Hippolyte Kajambere kanambe te, oye azo koya na katanga, akozonga kena kinga kati, azo sala ba excursion. Il fait les safaris. Le tourisme. Raison pour laquelle je t'ai dit que c'est lui le chef des armées et lui ne fait rien. Comme je venais de provoquer les juristes la fois passée. Ouais. Mais il y a du travail pour les juristes. Mais intenter des procès et coopérer avec la FBI n'a pas payé Moussousou, Mbongo Oyo, et Zonga na Congo, Mpo et financer ce qui m'a dit, nani, programme et le gouvernement Bango, et ce qui m'appelle l'État, et ça la Moussala. Absolument rien. Je disais donc, nous ne sommes pas là pour initier des séances de prière. Vous voyez ça? Et louer, tu sais que dit Nenge Bato, Bazo Sana YouTube, naba médias sociaux, Nabato, Bazo Sana Limite, ceux qui partout qui continuent à scander. Ça, ce sont des rituels de prière. Les gens n'ont pas besoin de référence. De révérence, d'adoration. Nous avons besoin de la compétence. On ne doit pas transformer la politique en religion. Hein? C'est la religion nde esika tokendeke ko sambela na kobina mikolonyoso to sambela ka Yesu to mona kate to sambela ka Nzambe ya Bayuda na oyo ya nani ya barabu to mona kate mpe eloko moko ba Nzambe na ba Yesu na ba Mohamed basala kabiso to mona ka ngote là c'est un folklore, la religion on va chanter et danser, ça c'est du folklore ton demi moi mouke. Salut chers abonnés de Congo Dialogue, merci, moi c'est Josué Boloa, je suis là. Très content de retrouver encore l'invité du jour, le président Kilele Djemadari. Avec lui, ça fait un bout de temps, tu vas aller dans le plateau Boé. Vraiment, bon dimanche, président. À toi autant, merci, bon dimanche à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Très bien, mentalement, physiquement, je vis, j'existe. Prêt pour la révolution? Tout à fait, absolument. Bon, je viens de suivre votre numéro dernièrement avec une de mes consoeurs là. Bon, on vous taquine là, non, nos côtés là, Odombo, tout ça. Bon, peut-être tu es rwandais, tu ne comprends pas, tout ça, je ne sais pas. Votre réaction quand vous avez suivi que Odombo est sous menace de rwandais, comment vous avez réagi ainsi? Il faut aller juste directement vivre du sujet. Je soutiens la lutte de tous compatriotes qui s'insurgent contre tous les menaces sur notre pays, sur nous, la population, si et seulement si cette lutte est sincère. Surtout. Oui. Par là, je profite de cette opportunité pour saluer les compatriotes Yombi. On a l'habitude de l'appeler avec son titre professeur Yombi, en Corée du Sud, dont je viens de suivre il y a quelques heures, une intervention sur YouTube, une vidéo dans laquelle il a massacré les compatriotes Odombo et son CCDP, et même certains autres résistants qui les suivaient. Il a un charisme de mobilisateur. Il crache de vérité comme un dragon. Ouais.
Ça, on ne le nie pas. Mais je te décide ce matin, après avoir subi toutes les déclarations avérées du compatriote Yombi sur la personne d'Odombo, que cette plainte pour laquelle il a mobilisé les gens est une grande mafia, une fraude orchestrée par Odombo et sa troupe pour chercher à organiser des cagnottes afin que les gens puissent les lui donner dans un compte bancaire fictif, pendant que le Rwanda ne lui avait jamais porté plainte. Après que le compatriote Yombi ait enquêté sur les faits avec ce liaison, ces organisations, il a trouvé la poule aux œufs d'or. Que tout ce que Odombo fait, soit un montage, soit un mensonge odieux, une déviation et une corruption de la lutte que nous menons tous. Et là, je le remercie, les compatriotes Yombi, pour son courage. Je me suis toujours cru un peu seul, fait compatriote Honoré Nganda, en dénonçant le mal et les comportements malsains de la plupart de nos compatriotes qui se spécialisent en mensonges. Et ça avilise, ça avilit donc, je veux dire, la lutte que nous menons tous. Et ceux qui cherchaient ou qui chercheraient à nous aider vont commencer à douter. Parce que les actes que certains posent, comme celui que le compatriote Odombo vient de poser, est tellement humiliant, c'est repugnant, c'est inacceptable, surtout un jour, deux jours après l'enterrement de notre compatriote. Imagine, imagine. Honoré Nganda. Yo. Et c'est une honte. Donc, ma position, tu l'as demandé, et celle d'en dessus, et celle de quelqu'un qui va aussi continuer sa lutte, parce que je ne recule pas devant les mensonges, parce que je crois que la lutte que nous menons ne peut réussir que dans la vérité. Et alors, coup de chapeau compatriote Yombi pour le courage, et continuons la lutte jusqu'à ce que victoire certaine intervienne. Merci beaucoup, président Kilele. Nous sommes en direct de l'Afrique du Sud, spécialement à Johannesburg. Nous sommes ici. On a cherché le président Kilele, quoi qu'il est un peu busy, en train d'écrire ses livres, pour ne pas dire son livre. Il a tellement plusieurs publications. D'ici là, vous en verrez dans nos différentes plateformes. Et on va se préparer pour la sortie officielle de ces différents de publication bientôt là beaucoup moins on a un petit écran et que les capé dans les réseaux sociaux. Professeur Kilele, quelque part c'est bateau yo ba banga kabino ou ba mona ki boza un mot de tête, si vous faites utiliser les mots pour na présent Félix Tshisekedi na ba dénonciation bo bimisa kawana, mais quand il voit des gens entre les résistants, entre il y a moi facette mon gamin son Jésus bima, ne voyez-vous pas que lelo prof qu'il est les destira devant la télé pour dénoncer les choses qui pourraient être vraies, se disent ah tu es na bon ralem sous balé c'est qu'à monter le kaningwana, voyez. Et aujourd'hui prof Yombi a décortiqué, a dévoilé le mensonge, croyant que c'était un résistant qui combattait pour le lutte des changements, mais à ça là est bon pour nos hommes, bon on est moko. Alors bah au balandarabino quelque part, comme vous avez dit, c'est une réaction déçue là. Est-ce que vous n'allez pas baisser la main, mais quelque part essaimer surtout doute moko boyé na bateau bah pe sarabino confiance bah supporte ka combat nabino. Ya seul bateau basali na raison de croire ou de ne pas croire la combat nabisson. Tu viens de parler en chita de Mbongo. Osaka, Olubaka Mingi, Po Bozoa, moi, Mbongo. Ce qui est vrai, dans l'intervention de compatriote Yombi,
il a dénoncé ça. Tu sais que il n'y a pas longtemps, Félix Tshisekedi est allé en France. Mm. Il a rencontré le président Macron à l'Élysée. Ouais. Les jours où Azokende n'a pas ri, c'est ce jour qui est, coïncide avec la comparution, la soi-disant comparution d'Odombo, je sais pas, dans un commissariat, à la police ou dans une cour. C'était une tactique d'Odombo de dévier la masse congolaise, afin de ne pas aller au Salamoboulou qu'on manifestait avec la présence de Félix Tshilombo à Paris. Et pourtant, les gens savaient que Azoya, photo tchèl lumbe lumbe ba utilisera. Ba kei pour soutenir cause ya compatriotes na bango. Nzoka. Asi ali ya kimbongo. Il a été acheté. Je ne pense pas que ngai un jour cela m'arriverait. Ils ne pourront peut-être que me forcer mbongo yango na na munoko. Ba fungulinga munoko na makasi. Bati tenai peut-être ba koti siango ba kangi munoko ba bi. Loba siko soki ozwa ka mbongo na bisute. Je ne peux pas, je ne le ferai pas. Je ne trahirai jamais les Congo. Je ferai des accords, je signerai des accords diplomatiques, bilatérales, multilatéraux, mais pas pour trahir le Congo et les compatriotes congolais à cause d'un bongo. J'ai une soixantaine d'années, j'ai 61 ans. Et comme je l'ai toujours dit, sans me vanter, j'ai vécu. Le peu que j'ai, je pense, me suffit, bien que mbongo suffisa comme tout est. On en a tout, on en a et on en aura toujours besoin. Et je ne peux pas, parce que j'ai aussi été tenté plusieurs fois. Ce que j'allais même dire à plusieurs reprises, que on t'a proposé même. Et c'est pas quoi, pas quoi. Ce qui me manque, c'est l'avion. Qu'est-ce qui me manque? Parce que la plupart des gens, ceux qui sont là, sont nommés ministres, sont nommés PDG. Dans le mental du Congolais, ils croient que c'est un privilège d'être nommé à un certain poste. Au lieu de faire des tâches, des devoirs, des au servir des choses. On ne va pas en politique pour s'enrichir. On va en politique pour travailler. Travailler pour les autres. En retour, aux alliés, na salaire na yo en tant que fonctionnaire, aux na salaire, aux na parce que chaque nomination qu'elle est toujours n'a pas avantage. Et je ne vois pas pourquoi ce que les gens volent. Enfin, baye baka parce qu'ils ne se sont pas préparés, c'est parce que ce sont des arrivistes. Les abatoyo. Baye ko situka. La position moro boyé. Moi l'avantage moro belé boyé. Il faut na bonga déjà. Comme ils le disent na époque à Félix Mabongo. Oyo za tour na biso, il faut te lire. Ils vont me proposer moi qu'il est le quoi. Je suis pas un milliardaire, je suis pas un billionnaire. J'ai une maison que j'ai achetée à la sueur de mon front. J'ai des maisons que j'ai achetées à la sueur de mon front. J'ai conduit, sans pour autant me vanter, plusieurs voitures dans ma vie. J'ai mangé tous les mets possibles. Ce que je n'ai pas encore mangé, c'est les diamants et l'or. C'est ce que je n'ai pas encore mangé. Mais je me suis promené à travers le monde. Bon, ngai nako zala émerveillé la mini au nga na moi na noté. Les femmes, comme tout homme, j'ai été avec des femmes, j'en ai eu beaucoup, et ce n'est pas dans l'immoralité, c'était à travers l'amour consensuel, et je continue à faire ça. Donc il n'y a que des arrivistes qui vont voler et qui vont se faire corrompre ce qui est basé pour la cause noble, nette cause il y a payé. Ngaï qu'il est l'été. J'ai été bien élevé dans une famille et j'ai reniflé les valeurs que moto afin la kaboye moto bizali ya moto et ça la kaboye ko yibate ko finga
batoté, kubuma mututé, mais je peux tuer dans la cause de la self-défense. Voilà, donc, qu'on trahir mututé, qu'on envier mututé, moi, on m'a éduqué comme ça. Et je pense que j'ai continué à maintenir ma valeur rwandaise. Ouais. Alors, notre pays doit un peu changer, réviser les programmes d'enseignement. Otozonga, nabiloko ya civisme, ya patriotisme, otozala kanango. Branche wana qui malheureusement était corrompue par Sakombi qui avait introduit le mobutisme au lieu à véritable civisme et patriotisme pour apprendre aux gens le patriotisme, l'amour du pays, l'amour ya biloko à l'État, na l'amour ya batonyoso, na respect à batonyoso. Et de passage, je dois dire que la religion a échoué parce que on a été éduqué dans la religion, mais au lieu to avaler peut-on pratiquer ba principe moro wana religion et pensa kabiso. Nous sommes le premier traître. Je veux dire, les religions sont le premier traître. Il y a comme ça la mabé namboka. Parce que la plupart des batonyos wana, ba ministres wana. Sauf qu'aucun n'a pas, aucun parle bango. Ba koye sono. Moi, je suis chrétien. Tu vois, moi, je suis diplômé. Mais après tout, je suis d'une famille chrétienne. Moi, j'ai des valeurs chrétiennes. Mais, ah, moyibi. Moyibi. Moninga naza professeur d'université. Moninga inazali. Maître en droit, Naza, c'est là. Moi, j'ai étudié en Europe. Tu vois, moi, j'ai servi même. Toi, des Français, là. À Koloba français. Mais ce n'est pas ça. L'éthique, la morale, les alliés différents, Nabilo Kouana, te donne le canaïmo. Donc, je demande si moi, j'étais dans le gouvernement, c'est l'éducation et la défense d'abord. La défense du pays. Et l'éducation, d'abord qu'on tombe l'éducation au bateau, bas à la morale, puis bas respecter l'État. Le deuxième sujet que j'ai voulu avoir votre point de vue, vous m'avez envoyé une vidéo, ou plutôt une vidéo de notre compatriote Noël Tchani. Et je crois que ça tombe, vous avez même introduit cela sur le moral, ainsi de suite. Je ne sais pas, en tant que compatriote congolais, avec le respect, avec la considération que nous avons face à ses compatriotes Noël Tchani, en suivant les pareilles vidéos que notre confrère a reçu la femme patriotique ou légitime, bon, selon sa déclaration, qu'elle a été maltraitée, les messieurs en question est abusif ou quelque chose comme ça. Bon, tant que futur président de la RDC, parce que nous vous considérons en tant que président, gestionnaire, je sais que vous avez tous ces atouts, ce n'est pas pour vous flatter, vous avez tous les atouts pour diriger un pays. Parce qu'on vous a proposé même des postes. Ça, c'est pour signaler à nos téléspectateurs par rapport à ce que le président qu'il vient de dire. Hein, il a été menacé, sollicité dans le poste de Nyos. L'art ne parle même pas. Mais il y a un niveau ministère parce qu'il veut que le Congo puisse aller de l'avant. Mais vous n'avez pas pu être séduit dans ma proposition de l'ancien régime ou de Pessayouana. Entrons un peu sur le dossier de Noël Tchani. Votre réaction là-dessus, sa femme vient à la télé dire ce qu'il nous a dit sur la personne de Noël Tchani qui, président malheureux comme on dit, et il continue toujours à se battre pour, je ne sais pas si 2023 il va postuler ou quoi. Votre réaction là-dessus? Noël Tchani n'est pas mon rival ni politique ni social. Et je veux me réserver de trop parler sur sa vie privée. Ça ne me regarderait pas. Mais parce que il est un homme public, voilà, un personnage public, ta question me taraude un peu les nerfs, mais parce qu'il est une personnalité publique, suite à ce que sa femme venait de dénoncer publiquement, on peut chercher un peu à parler de lui. Je ne dois que remercier sa femme et le public congolais ne doit que remercier sa femme de tout ce qu'elle a dit. C'est une vérité avérée parce que elle a même demandé en débat contradictoire vis-à-vis. Elle a dit à notre confrère Perrot Louara que ce qui est au Bengay, au fin de ça, et puis, bon, Babiso et pas président Félix, elle a tout dit. Cette femme a tout dit. Je disais donc,
le public congolais doit remercier cette femme parce que on tombait sous le charme des politiciens, hautement instruits, bardés de diplômes, qui attirent et le vivant et le mort. Vous voyez ça? Or, l'homme, c'est juste ce qu'on appelle un éléphant blanc. C'est une expression anglaise, on dit white elephant. White elephant, yes. Azali liki, on a kati, elle a comme on a Azali te. Mais ce que moi, liki, c'est très kito, mais on a kati, on a fait là. Et ça, mon peuple, kaka. Alors, moi, si naïe, a tellement aidé le peuple congolais à dénoncer Babi Nyoswana. Et voilà, vraiment, elle a tout dit. Je ne veux pas interpréter ce qu'elle a dit. Elle a dénudé son mari. Elle a, je dis bien, à Longolie Bilamba, à Longolie Tina Soukiamoutou, Tina Mangata, à Longolie, comme Kamaralei le disait dans son roman Le regard du roi, il disait, le roi est mis, vive le roi. Le roi est mis, vive le roi. Et c'est tout ce que je peux dire. Et ça nous rappelle Bissoba Congolais, Totika, parce que la fanatique, il y a bateau. Exactement, c'est ce que j'allais aussi dire, comme on appelle ça. Il y a idéologie. Idéologie. Et surtout, mettre quelqu'un à l'œuvre. En pratique, Botala, à Salanini. Et ceux-là qui nomment les gens n'a poste ministériel, poste, n'importe quel poste. Où il doit présider la destinée à Batou. Il faut battre la passer naïe. Comment quelqu'un qui voudrait devenir président de la République passe son temps dans un guest house? Cette femme a dit que ceux qui ont un guest house de Beverly, ne sika to fanda ne to fandaka, ne sika a recevra comme na ba fille à 14 ans, na ya 16 ans. Bon, elle a dit que Batonga nda comment ko kote a peine tout ça. Bon, moi je vais pas entrer dans cette mais voilà. Comment quelqu'un qui veut devenir président de la République n'a pas une résidence quelconque, mais vit à l'hôtel. Ça signifie déjà qu'il n'est pas sérieux. La femme dénonce que non, c'est quelqu'un qui a été révoqué de la Banque mondiale pour attouchement sexuel avec les femmes, et si qu'à cela comme ça. Mais c'est un prédateur, c'est quelqu'un. Il faut faire très attention. Avec nos filles, nous devons faire très attention. Si celui-là devient président, mais il va faire ce que Bill Clinton a fait aux États-Unis en couchant sa secrétaire Monica Lewinsky sur la table, là où il signe des actes présidentiels qui font bouger le monde entier. C'est un prédateur. Donc, nous remercions sa femme et nous pensons qu'il y a d'autres femmes qui vont faire autant pour nous aider parce que nous n'allons pas réussir à refonder notre société juste pour emprunter l'expression de notre bien-aimé cher compatriote feu Honoré Nguanda, le mot de la refondation, nous n'allons pas refonder notre société sur base des antivaleurs. Ngai nazalia wa na linga basi basi pe balinga oyo moi sur akolo baki qu'il est là maltraité sur tout ça, oui, qu'il est là maltraité abima na YouTube nazaka na basi mususu soki Makambezo Kenete, Tokabani, chaque moto a 15 ans. Voilà. Je n'ai jamais battu une femme, je n'ai jamais insulté une femme, je n'ai jamais été pingre, radin, égoïste que non, aux ans moi si, aux autres pèses à l'eau comme mon côté, aux autres collates ça a été, toi au botissier, bana au botissier belé, au kiparabanate, qui pacaille pété, moi si t'es au kipacaillete, je voudrais qu'une femme, copine, ancienne copine, etc., au allié nanoata le maire qu'il était. Ah, y'a la TV. Y'a la Penza. Bah, numéro 1, petite, grand l'accès, biso, benga. Toi, y'a la caméra, wana. Je suis un homme, je suis un mari, je suis un père spécial. Et si je dois avoir un poste, je n'en demande pas. Dans un gouvernement des escrocs. Si je dois avoir un poste. Un gouvernement des escrocs. Tout à fait. Si je dois avoir un poste, ils auront affaire à un gérant sincère qui fait son travail, qui est incorruptible. Présent qu'il est là. Je suis Joseph Bolloa, je suis à Cape Town, je suis à Johannesburg. Je suis bien reçu par le président Djemadari Kilele, le président de PNC.
J'aime ses arguments, tout ça. Ils appellent un lobby. Président, quand on suivait, et puis Noël Tchani avec ses discours, tout ça, on était vraiment séduit avec sa, comme tu as dit, liturgie, à bas connaissance, naïe. Bon, voyons tout ça quelque part. Bon, c'est juste une curiosité qui me vient en tête en nous posant la question, pas à vous poser, mais en nous posant la question. Est-ce que la femme n'a pas été manipulée pour dénigrer, salir l'image de cette, de, s'il faut appeler savant, je ne sais pas moi, connaisseur sur la matière de la gestion financière? Bah, il doit dénigrer de façon que, bon, il n'a pas trouvé le poste dans le gouvernement. Est-ce que ça te peut dénigrer l'image de façon que, au cas où il a posé candidature en 2023, tout est possible avec la politique, monsieur le président? Je ne pense pas que cette femme a été manipulée. Je révisionné Nani intervention. Il y a moi en Abisso, maman en Abisso, sur son visage, c'est la sincérité, l'honnêteté et plus encore la victimisation de quelqu'un qui demande protection. Je ne pense pas qu'elle a été manipulée. Je ne pense pas. Peut-être parce que c'est courant au Congo et dans la politique. Comme on a dit, on a voulu faire tomber le pasteur Mukula. Mais bien que cette femme-là, qu'on appelait Spati Tshibola, a été réellement manipulée, mais Mukula ne peut pas nier les faits. C'était visible, c'était lui qui couchait la femme dans la voiture. C'était lui, il n'y avait pas eu de montage. Et si on l'a relâché, c'est par complaisance juridique. Il n'y a pas eu de complaisance. Donc, maman Oyo, Azala Kinaye, manipulée. C'est une femme qui dit la vérité. Et il faut qu'il y ait un fond pour aider des femmes victimes de ce genre qui sont abusées. Par des hommes margoulins, malhonnêtes, irresponsables, des hommes qui trahissent leur personnalité. Le cas peut-être ça soit d'être un échantillon. Peut-être il y a des hommes comme ça dans le gouvernement. Toutes les femmes qui sont dans le même cas que cette femme-là. Babima, Babangate, Babima, c'est ce qui va nous aider à refonder la nation. Parce que nous sommes gérés par une bande seulement des ambianceurs. Il n'y a pas longtemps, notre confrère, comment il s'appelle encore, notre bishop, comme le Congo en compte beaucoup, il faut savoir que le Congo, c'est le premier pays producteur de pasteurs, des bishops et des prophètes. Et nous sommes cotés les premiers sur la bourse mondiale des mensonges. C'est ça les produits que nous produisons, les pasteurs. Bon, donc je disais donc, il y a notre confrère patriote et compatriote Bishop Élisée qui a dénoncé un viol au haut niveau du gouvernement de Hippolyte Kajambere Kanambe. Quand il fut encore chef de l'armée, et il est toujours au Congo. Hippolyte est toujours chef de l'armée? Il est, c'est lui qui est le chef des armées. Comment ça? Il avait violé une femme, une fille, une jeune fille du Katanga, au Congo, à Kinshasa. Et cette fille est toujours recherchée parce qu'on veut la tuer. On a montré l'enfant à la télévision, je pense que l'enfant doit avoir 21 à 22 ans. C'est Hippolyte Kanambe craché, c'est son visage. Ça ne demande pas un test de l'ADN. Elle a été violée par Hippolyte Kajambere Kanambe. Et la femme est tombée enceinte. Et elle a répudié comme ça. La femme, je ne sais pas, vit à Paris ou à Bruxelles. Grâce à Bishop Élisée, nous ne savions pas ça. Il a dénoncé ça. On interviewait la fille en direct. Les photos du garçon est là. La fille parlait. Quand vous regardez le visage du garçon, donc tu n'as pas à demander un test de l'ADN. C'est du Kanambe craché. C'est le visage rwandais. Kanambe craché. Oui, j'ai dit Kanambe craché, c'est son fils. c'est son fils. Mais voilà, la femme n'a fait que demander de l'aide. Sauf qu'on n'y moi n'a oyoté. Mais. Tindelangaï. Tindelangaï. Tambongo. Mbongo. N'a s'occupé n'aïe.
Oza papa, oza responsable. Natangsa mwana kola. Akola. Oza la paix mutu na société lobby. Cet enfant a droit à la vie comme tout enfant, bien qu'il soit né des circonstances violentes. Yes, oui, malheureuses. On ne peut pas faire autrement. C'est comme les métis que nous avons chez nous. Okay. Les métis, ce sont des enfants. Nous les appelons des bâtards. Ce sont des enfants qui sont nés. C'est à l'époque, je veux parler à l'époque, l'époque de la colonisation. Les métis qui naissent aujourd'hui, ce sont des métis qui naissent par consensus. Yeah. Un noir aime une blanche, une blanche aime une noire. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais tout cela que les blancs. Sans doute, il pouvait y avoir des exceptions à l'époque. Mais tout cela qu'ils ont fait, parce que le consulat dans plus peuple de pays, ils avaient créé des foyers sociaux où ils mettaient les enfants métis qui avaient la chance de survivre au Wangaba Bomaté. Voilà. Et ces enfants sont devenus aujourd'hui des vieillards qui ne connaissent pas leur père, leur mère. Certains connaissent leur père, certains connaissent leur père, ceux qui ont de la chance. Ouais. Et ils ont fait ça comme ça partout à travers le monde. Ils ont créé une race que Dieu n'a jamais créée. Dieu n'a pas créé les métis à l'époque. Okay. Oui, les métis sont nés de la sexualité, sont nés de la curiosité sexuelle et de la violence, donc du viol des femmes noires et des femmes d'ailleurs. C'est là où est sortie la race de métis. Okay. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des enfants sortis de l'amour. Oui. Alors, les blancs qui ont fait ça, ils se sont comportés en irresponsables comme ce genre de parents noirs tels que Hippolyte Kajambere Kanambe et Noël Tchani, qui font des enfants comme ça et ils négligent ces enfants. Ces enfants n'ont pas demandé à être naîtres. Ouais. C'est nous qui les appelons par notre plaisir sexuel ou comme la femme l'a dit elle-même, obsession sexuelle. Que Noël Tchani, c'est un obsédé sexuel. Parce qu'il couche les filles de 12 ans, de 14 ans. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Et peut-être l'amener dans un centre psychiatrique pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans ses nerfs. Noël Tchani doit être arrêté. Mais tout à fait, parce qu'il c'est un danger public. Mais c'est un danger public. Moi, si il est à côté de mes filles, mais moi, je dois avoir peur. Je dois porter un revolver si j'apprends que... Il a violé ma fille, moi je ne vais pas attendre. Mais les filles aussi qui sont présentes, Céleste lui-même avait séduit avec l'argent, tout ça, avec l'influence. Nabimana, Nadjomo, Bouaouti, États-Unis, tout ça. Pas toutes les filles, pas toutes les femmes. Non. Les filles, les femmes, ce sont nos filles, ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs. Pas toutes nos femmes sont toutes. Il est rare pour une femme de venir te dire Nalingio. Et Jenakabango. Bon, sauf les drogués. Sauf les prostituées, oui, c'est une autre catégorie. Ouais. Mais on ne peut pas peindre le même mur avec plusieurs brosses comme ça. Donc il y a des femmes, les femmes ne peuvent pas venir. Donc, oh, il y a que non, la bimbo mututel, elle a déjà été conquise par le charme, elle a été séduite par le charme. Il faut comprendre aussi que Bassi Bazraka, ce que nous appelons, pour ne pas les négliger, les insulter, sexe faible. Il suffit seulement que tu à l'oreille, ben elle tombe. Et elle tombe dans un filet qu'elle ne connaît pas ce qu'est Oumimayouabi. Alors, quand on se réveille, sa vie est déjà détruite par des criminels tels que Noël Tchani, tels que Bill Clinton. Ce sont des criminels. Ben, ce sont des criminels tels que les blancs, ceux qui s'appellent des blancs. Ce sont des criminels. Ok. Oui. Yo. Je suis avec le président Kilele, petit à petit nous tendons vers la fin de notre intervention aujourd'hui. Ce sont des actualités qui sont à la une actuellement, chers compatriotes congolais, vous êtes branchés, connectés. Des réactions contraires à ce que le président est en train de dire, vous êtes libres, nos numéros sont affichés dans vos petits écrans. Avant de chuter, président, je voulais juste vous amener, vous avez juste typé un peu sur celui qui conduit ou qui dirige l'armée congolaise. Je vais parler maintenant sur le gouvernement que nous appelons le gouvernement des Warriors. Les 30, l'année du vendredi passé, ils ont leur premier conseil des ministres. Bon, en lisant, en écoutant les comptes rendus, bon, c'est comme si ça se promet. Je ne sais pas. Tant que président d'une partie de l'une organisation PSN, quand vous lisez, vous regardez la structure, les changements. Yves Bazaï, bah, hier, était à la Mouka, aujourd'hui, maintenant, il est ministre, plutôt vice-ministre. Il y a moins changement. Salem Makassi, Roubero Azarias a quitté, le niveau de décentralisation, Batabi Lungas Kabakoti. Est-ce que ça promet? Il y a un espoir. Comment votre réaction en tant que politicien, en tant que politologue aussi, en tant que président administrateur aussi, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Warion, avec ses conseils ministres,
Congo aux moi changement moi aussi en 2023. Ce n'est pas une grande première d'avoir un gouvernement éléphantesque de ce genre. Ce n'est pas la première fois. Ça c'est de un. De deux, je n'ai pas de mots pour me qualifier. Je ne sais pas si je dois dire que je dois être pessimiste ou quoi. Il n'y a rien dans cette histoire. Il n'y a absolument rien. Présent bien la phrase de réponse au big, il n'y a rien. Je vais au mot bête, ma banque n'est pas taliban. Donc on est pessimiste. Le baron Lingano félicité. Qu'est-ce qui ne va pas? Boluga gouvernement, gouvernement ngoyo. Si quoi Lingano a perso poste, tous les cas poste. Benga Rafati a perso position qui t'en a connu nos positions. Peut-être ils ont réagi comme ça. J'étais déjà dit qui est-ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'un poste dans un gouvernement des voleurs, dans un gouvernement des anti-patries, dans un gouvernement des incompétents. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de la révérence, hein? Ça signifie de l'adoration autour d'un culte de personnalité. Ça c'est vrai. Ce sont ces histoires qui, impuissantes, un gestionnaire, un gérant, quand on commence à les caresser jusqu'au sens du poil. Les gens n'ont pas besoin de louanges, d'adoration, d'abord individu. Okay. Les gens ont besoin de la compétence pour arranger leur vie. Entre autres, il y a les jeunes qui dirigent le gouvernement, Jean-Michel Samakonde, Azamona Mouké, tout ça. Boluka qui va rajeunir encore, Papa Mikolo Bakéi, tout ça. C'est la raison pour laquelle nous votons, nous élisons nos dirigeants. Okay. C'est pour qu'ils arrangent nos vies. C'est pour qu'ils s'occupent de nos vies. Okay. C'est la raison pour laquelle on élise les gens. Okay. Et ceux qui vont élire, ceux qui vont nommer, c'est pour en retour que tu rendre service. Pour rendre service à Batouane. Voilà. Comme je l'ai dit au début, c'est le contraire. Il n'y a rien qui change. La plupart des gens qu'on va nommer, ce sont des gens, ce sont des chiens qui sont au lasso. Bazana Singa, Awa. Les propriétaires Bazassima, ce sont des chiens qu'on promène comme ça. Oh, ok. Papa Jamazou a révélation. Le gouvernement d'abord a traîné parce qu'il fallait que Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, Hippolyte Kajambere Kanambi, et lui, Félix, et les autres s'entendent d'abord. Que non, on a tel ministère, on a tel nombre, tel nombre. Ça, c'était la vraie vérité à Dilei et à gouvernement. Il y a ajournement et le quoi. Nous ne disons pas que c'est la grande première parce que la Belgique a fait 300 quelques jours, 500 quelques jours sans qu'il n'y ait pas un gouvernement, mais les services gouvernementaux et administratifs continuent. Et continuent, voilà. Mais on a besoin de véritables raisons. Ok. Baza Bamboa, Bakangi Bango na Singa, na Kingo, Bakro na Bango, Bazoko, ce qui m'a lingi, à Ganga, à Saliéboué. Donc ils ne sont pas libres de travailler au profit de la population congolaise. Ah, okay. Ce sont, je le répète, sans avaler mes mots, je n'utilise pas la langue des bois moi, ce sont des chiens. Et comme nous le disons vaguement, vulgairement, des politiciens, ce sont ce qu'on appelle en psychologie des chiens de Pavlov, le psychologue russe, Parce que nous sommes côté Moussouni Amboa, au moins Amboa, avant Ali à Moussouni, ce sont des chiens, et je ne retire pas mes mots. Moi, je ne suis pas un chien, ce sont des chiens, tu vois. Moi, je suis un être humain rationnel. Samaloukombo, c'est que Samaloukombo, c'est un Rwandais. Comment ça, président? Non, mais c'est pas qu'il est. Non, non, Abota, mais je crois qu'il est né en France, si je ne m'abuse pas. Bon, voilà. Et ça commence là. Alors? Ça commence là. Sur base de quoi? Et Samaloukombo, il y a un combat bangal, il y a un combat où tu es en Équateur, tout ça. Voilà, les Akombo, dans l'Équateur, dans la Bandundu, dans le Congo, nous connaissons les tactiques des Rwandais. Tu viens de dire déjà quelque chose. À Botam, la France, c'est un citoyen français. C'est déjà un chien
la France dit que tu es notre citoyen. La France reconnaît que tu es un citoyen français. Mm. Tu es là pour travailler, pour protéger les intérêts de la France. Mboa, tel. Willy Bakonga, tu es citoyen américain. Tu es là pour protéger les intérêts des Américains. Mboa. Qui s'occupait du ministère de l'éducation. Et donc, tu vois. Tu vois une meute. Celui qui est dans le ministère de la Finance, ou dans le ministère de la Défense. Défense, ministère des Travaux publics, c'est une meute de chiens à la chasse. Ils vont chercher à capturer les lièvres. Mais président, vous avez décortiqué l'individualité, dans le cadre du gouvernement, vous avez évité. Moi, je continue. Je continue. La métaphore de Yasinga, Nashin, et la question qu'ils ne sont pas libres de travailler pour le pays et pour le peuple. Je te dis que c'est un Rwandais, ce qui est Thier et Longinaye, c'est la même chose. C'est son cousin, c'est bien dit. C'est pas qu'il est qui l'a dit. Bien que Bapara n'aille Bakota na Congo, na Katanga. Katanga, c'est le fief des Rwandais. Ouais. Bakota depuis Kala. Et les Katangais sont incapables de discriminer contre ces gens-là. Mais ils sont les premiers à infiltrer contre les Balouba, contre les Kassaïens, leurs voisins du même terroir. Okay. Ils sont les premiers à discriminer contre les Balouba. Voyez ça. Ouais. Mais ils ne discriminent pas contre les Rwandais qui les ont infiltrés. Et à cause des Rwandais, le Congo est instable à cause des Rwandais. Alors, Bazuba poste clé. Tu parles de ce type qu'on appelle Roberto. Toi, tu penses que Roberto est parti? Ce que Roberto a kende qui? Bon, il y a un acte administratif qui est dans 11 provinces, 8 provinces, il y a Kala. Ok. Oui. Parce que. Donc c'est sur papier qu'il a fait la remise des reprises. Tout à fait. Il a fait ça avec l'aval de quel parlement? L'aval de quel sénat? Un parlement d'occupation? Un sénat d'occupation? Ces deux chambres-là sont infestées des étrangers. Et les Congolais qui y sont là pour agir. Sous la direction, le commande. Les occupants de la dictature, et comme ils sont corrompus et complices à la matière, donc les loyaux, tous ont 11 provinces d'Engezalaka, Kala, pour faire qu'il y aura changement. Donc, ça, c'est un défi, en fait, juste une parenthèse. Oui, le petit, là, a 26, tous ont il a présenté son programme, je ne sais pas. Yeah, ça demande au moins 36 milliards de dollars, tout ça. À cause de 36 milliards, wapi. Alors que Batoya. IGF, on va contrôler la finance. Oui. La banque centrale, banque de trésor, yango moko, bango moko, ba pesi ba rapport, bazoko pesa ba rapport que la banque mosolo ya l'état et si là Kabila atika 1 milliard, c'est quoi etika li soki 500 000 dollars ya réserve d'échange ya commerce extérieur. OK. Il n'y a plus rien. Bon, il y a akuzwa mosolo wapi? On a confus à 56 ministres. On parle seulement des ministres. Justement. Après ministre 56, il y a 56 vice-ministres. Vice-ministres, voilà. Il y a des secrétaires. Il y a des ceci et cela. Il y a l'administration, tout ça. Tout, ils ont confus ma boue. Vous foutez, ils ont confus ma boue. Ils ont confus ma boue. Il y a bateau. Oh yo, bas salaire, zaliming. Oh yo, bas cause on a besoin de bas voiture, bas cause on a besoin de ceci. Tous les avantages. Pendant que bas tang ici. Les enseignants. Les militaires, les policiers, etc. Partout, donc tous les secteurs sont par terre. Bangonde baningi bazwa ba salaire kaka po bazoko ba français milai mpo bazara ba diplôme. Or avant zana diplôme wana molakisi nde tata na yo ya ba balé. Voilà. Ba négligé balakisi. Mais Mboka oyo est négligé éducation. Zali Mboka oyo kene kaliposote. Ce qui est en Corée du Sud, moto aliboso oyo zoka mo solo mingi zaka molakisi. Le plus salaire. C'est le plus salaire que tout le monde. Molakisi d'abord. Mais oyo soki oyé olobi français. Donc yo nde oko changer événement, oko changer biloko nyonso. Donc il n'y a pas d'espoir là gouvernement oyo. Et ma grande puissance, Monet Amérique, ils en ont 12 à 13 ministres. Ils appellent le secrétaire d'État. Parce que le ministre, c'est le nom, c'est un mot pour les Français et les Anglais. Mais
Je pense que l'Amérique a trouvé un bon terme qui est simpliste. Secrétaire, vous êtes des secrétaires. Vous avez kalaka. Mais chez nous, ministre. Maman ministre. Maman ceci, cela. Alors qu'un ministre, un vaut rien, des voleurs. Mi yibi. Ce sont des gens qu'on doit arrêter et exécuter, je le répète. Ce sont des gens sans cela. Ça ne changera jamais. Que faire? Avant de finir. Que faire? La population doit se révolter et tuer ces gens. Nous devons les tuer. Tout cela qu'on nomme comme ministre, tout cela qui vaut l'argent de l'État. N'attendons pas qu'il y ait jugement. Kamere a yibi moussoula l'État. Babi qui va tirer la boloko. Azon qui moussoulango. T'es juste la suite pesante. Mon yibi oyo yakatanga yuma. Pesa yuma pesa. Albert Yuma. Ayibi mosolo à l'État, asaka, mariage à Banaye, a dépensé 6 000 $, ce qui 6 millions de dollars. Ce qui va koukangaï, mosolo à l'État, ezaliwapi. John Enumbi, mosolo à l'État, ezaliwapi. Na. Mato Tampone. Mata Tampone. Na Adolphe Mouzito. Na kopé sa ou liste, Oyo, FBI. Et publiaka. Ok. FBI et publiaka liste yebato oyo mongo na bango e kangama na kati ya ba banque. Mosola bango kangama na Amérique e kangama na Dubaï e kangama partout parce que Amérique a remarqué que non bato bazoko saboter nani valeur ya dollar partout mongo mingi qui échappe au contrôle de la banque centrale ya mboka na bango ezokende. Alors, où est-ce que vous voulez que mongo bon, pour programme à gouvernement et Simba. Félix, toi, d'abord, na yo. Mbongo oyo, moi, na mboka yombi, na ba mususu ba denosaki o yibaki. O tindi mwasi na yo, na Dubaï, akenda plus de 357 millions de dollars. Bakene koti yango na banque ya Dubaï, zongi sa yango na Congo. Kokende na FMIT. Que la banque mondiale était parce que mbongo ezali mbongo nyoso oyo bato ya PPRD batia na ba banque ya mopaya comme je venais de provoquer les juristes la fois passée. Mais il y a du travail pour les juristes, mais intenter des procès et coopérer avec la FBI na ba pays mususu mbongo oyo et zonga na Congo mpo et financer ce qui balingi nani programme ya gouvernement bango et Simbape l'état et ça la musala. Mais l'argent est là, pourquoi aller prendre l'argent auprès des FMI et puis la Banque mondiale alors que les individus qui sont là ba yiba mbongo ba teka déjà mabele ya Congo na étranger, pourquoi chercher à fuir la population alors que les voleurs sont là? Moïse Katumbi, c'est un voleur. Pourquoi yo, Félix Tshisekedi, qui proclame l'état des droits, ozo kanga Moïse Katumbi te? Pourquoi ozo ko kanga, Hippolyte Kajambere kanambe te, oyo azo ko ya na katanga, akozonga ke na kingakati, azo sala ba excursion. Il fait les safaris. Le tourisme. Raison pour laquelle je t'ai dit que c'est lui le chef des armées, et lui ne fait rien. Absolument rien. Je disais donc, nous ne sommes pas là pour initier des séances de prière. Vous voyez ça? Et louer Tshisekedi Ndenge Bato, bazo sa na YouTube, na ba médias sociaux, na Bato, bazo sa na limite, ceux qui partout, qui continuent à scander. Ça, ce sont des rituels de prière. Les gens n'ont pas besoin de référence. De révérence, d'adoration. Nous avons besoin de la compétence. On ne doit pas transformer la politique en religion. Hein? C'est la religion nde esika tokendeke ko sambela na kobina mikolo nyoso to sambela ka Yesu to mona kate to sambela ka Nzambe ya Bayuda na oyo ya nani ya barabu to mona kate mpe eloko moko ba Nzambe na ba Yesu na ba Mohamed basala kabiso to mona ka ngote
Là, c'est un folklore. La religion, on va chanter et danser. Ça, c'est du folklore. Ton demi moi mouké. Oui. Mais la politique, ezali bo solo. Eza bo solo. Nous avons besoin du pragmatisme. Et mon nana, parce que toki na bamboka bopaya. Mais j'ai du pragmatisme. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Parle moins, ils agissent plus. Hein? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, ezali ba éthique. Ezali morale, ezali respect de texte, ezali rigueur juridique. Que moto asali mbeba ba kangaye mbeba kangaye. Et puis soit ba kangi ba lande la mbongo. Ba lande la mbongo ba zong sango. Et je demande à ce que on puisse ramener la peine de mort. Okay. Je demande à ce qu'on puisse ramener la peine de mort. Que moto asali mabe babomba. L'Amérique, c'est la plus grande démocratie au monde. Mais sur ces 54 ou ces 55 États, il y a une quarantaine ou une trentaine qui maintiennent jusqu'à aujourd'hui la peine de mort. Malgré le fait que certains États, Baningakango le sous-té, malgré la décision, il y a gouvernement fédéral central, la peine de mort est là. Osali mabe babomio. Ce qui est allé prouver que Salim Abe Baboum, sans faire ça, rien ne marchera. Tant qu'il y a un gouvernement, même il y a 13 personnes comme je le propose, oui. Même le gouvernement, il y a une personne. Aussi longtemps que Bato Bakatami Bakingote, Toto Beti Bango Massassi, Bongo et Bimate en public, rien et alors rien ne marchera. Donc, je termine avec le mot, je suis maintenant pessimiste. Rien ne marchera. Comment on peut comprendre que ailleurs, moto a traversé frontière en beaucoup de pays, même si tout ça va tout mundo. Panafricaniste. Oui, mais bako kangayo, il faut ça là-bas papier normalement. Ouais. Qu'est-ce qui manque to kangaka ba Rwanda, to kangaka ba Burundi, ba Uganda, au bazo kote nambo kana biso illégalement, alors que il y a un ministère de l'administration du territoire, donc un ministère de l'intérieur. Que font les agents de l'immigration pour arrêter ces gens? Et bah rapatrier bango na bango bango na bango. Aucun Afrique du Sud, les prisons étendues. Ouais. Na ba immigrants illégaux. Comment chez nous c'est un passoire où les Rwandais viennent faire ce qu'ils veulent alors que nous avons un service d'immigration? Yo congolais au Kenya rendez quoi ça n'est. Les Rwandais qui sont au Congo, ce sont des gens basoko tangsa. Nous savons que les Congolais basana ici quand je ne veux pas d'ailleurs n'a que 34 bloc à Rwanda. Kuna d'abord. Mais si il est le commandant suprême des armées, mais ça doit commencer par là. C'est par la protection. Vous savez, il y a quatre piliers pour diriger un État. J'espère que je ne vais pas les oublier. Il y a la sécurité, il y a l'identité patriotique, il y a, je disais, la sécurité, l'identité, il y a la souveraineté, et il y a un autre pilier qui me manque. Nous ne prouvons pas que nous sommes souverains dans nos décisions, dans nos façons de nous comporter. Nous ne prouvons pas que nous sommes souverains. Nous ne protégeons pas l'identité congolaise, que certes, d'aucuns ne cessent d'appeler la congolité. Nous ne protégeons pas ni les territoires, ni les biens de tout le monde. Nous ne protégeons pas. Toujours ça, du sommet de l'État, Tinasse. Il y a, malheureusement, la mémoire me trahit, un autre pilier qui manque. Alors, notre ou nos gouvernements ne sont pas là. Souveraineté, tout ça n'est un côté. Identité, tout ça n'est un côté. Sécurité, tout ça n'est un côté. Il n'y en a pas. Oh. Ça signifie que il n'est pas le chef des armées, il ne connaît pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est venu, il est produit d'une circonstance. Il est produit d'une circonstance inouïe.
Il est tombé comme ça, un cheveu dans une soupe. C'est tout. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. Parce que s'il était normal, s'il était responsable, première chose, qu'il prend le pouvoir, je ferme toutes les frontières. D'abord. D'abord. J'instruis l'armée. Je motive l'armée. Je compense à mon solo, à l'armée, à la police, pour faire le boulot. L'identification de tous les citoyens et des étrangers sur le territoire. Tout celui qui est illégalement au Benganaye. Et on ne doit rien à la communauté internationale si on doit chasser les gens qui sont illégaux. Fait Idi Amin Dada, malgré sa dictature, l'a fait en Ouganda. Il a remballé tous les Indiens. Tous, Bangotou, Libanda. Parce qu'il n'y a que eux qui étaient partout. Lelo Oyo, Kené na Congo. Mais c'est plus que Calcutta. Ça devient un pays des Indiens. Mais allez en Inde, on ne veut pas de Noirs. En Inde. En Inde, il y a des Noirs dans l'île, les Noirs qu'on appelle les Jawaharal. Ils sont restés 300. Basile Sibango, ce sont des Noirs indiens. Bafana depuis Kala. Parce qu'après, tu fais que Inde, ils allaient payer Noirs. Dans la langue grecque, Indus, on appelle la vallée d'Indus. Indus, ça signifie noir. Vous voyez ça? Les Indiens, Mindele, Bazalikuna, Bazakana, Endete, ce sont des Iraniens, Baoutaki, Asie centrale, Bakiti, Asie mineure, Pobakenekuna. Les Indiens n'aiment pas les noirs en Inde. Les Indiens qui sont noirs, Bazali n'a pouvoir, Nakata Inde, Balinga Bangote, ils sont une autre caste. Mais chez nous, ce sont ces gens qui viennent, ils vous ouvrent des boutiques partout, emploient des Congolais, ils leur payent une monnaie de pitance, ils n'ont absolument rien. Et tout ça parce qu'il n'y a pas un gouvernement fort. Ce qui est ok, na Malawi. Au Congo, na ba Indien Oyo. Ils se sont emparés de toute l'économie de Malawi. Ils vous vendent même des mikate, même des matembele. Et au Congo, na kaka, ba Malawite, ils sont là pour appeler les clients pour qu'on passe. C'est tout ce que les Malawites font et ceux-là qui sont peut-être dans le gouvernement. Mais tout le secteur économique est contrôlé par des Indiens. Et en retour, les Malawites, l'islam. La plupart des Malawites ont des noms de l'islam. Ils sont contents d'être appelés d'islamiser. Même en Afrique du Sud, surtout ceux qui sont à Durban. Le secteur dans lequel il y a les Noirs, surtout. Si ce n'est pas la politique, c'est le transport de minibus, de taxibus. Mais Eloko Nyoso, même balayer les rues de la municipalité, les Indiens se sont accaparés de tout. Alors, quand on ouvre la porte à des affameurs du peuple comme ça, là où il n'y a pas un contrôle d'identité et une protection de la citoyenneté et de la souveraineté d'un pays, on se moque de nous. Félix a dit la première chose, non, moi je suis là, le Rayaki. Programme là, non, vous savez, moi si je prends le pouvoir, je vais produire 1000, même 10 000 milliardaires au Congo, ça fait 2 ans. Alak Sabiso, milliardaire Nini, OIS a produit au Congo. Okay. Tous les secteurs sont torpillés par des étrangers. Qui est ce milliardaire au Congo, Alak Sabiso? On a commencé à Bissou Akala. Tout le monde a bango le sous-té. Bimacha, tout le monde a bango le sous-té. Kansebo, tout le monde a bango le sous-té. Ouais ça, bah qui sont mes bakufa, ceux qui sont mes akufa, bah nanaye, bah qu'on continue les sous-sutés. Mais biloko nyoso oezali et pas nabiso, c'est toujours les étrangers, parce que il n'y a pas une promotion, il y a business pour les étrangers. Ouais. Il n'y a pas une promotion, il y a industrie, il n'y en a pas. On donne tout sans contrôle aux étrangers, parce que on veut bénéficier des commissions, parce qu'on a la signature. Alors, tu vas donner la chance à qui? Moi, je prends le pouvoir, je dois contrôler les flux des investissements. Qu'on ne donne aucun droit à un Rwandais d'investir au Congo. Et tout celui qui est en collusion avec un Rwandais qui investit, on doit l'arrêter et lui dépouiller de tout. Et nous devons apprendre à nos générations à venir que les Rwandais restent notre ennemi juré. Nous devons enseigner ça dans nos écoles, comme les Arabes les font dans leurs écoles vis-à-vis des Occidentaux. Okay. Comme les Coréens du Nord les font vis-à-vis des Occidentaux. On ne doit pas chercher à nous dire non. Tozali kakana nani, tozali kakana conflit na ba politicien, pas pour les Rwandais. Ça, c'est chercher à madouer les gens qui nous foutent les shit dans la bouche. Tunaomba wafureru, wanyintu, wabembe wenye wakona roho safi, wakongomani wenye hawana chuki kwa roho zao,
wa Kivu wasimame pamoja na Banyamulenge, tupinge hii genocide, tupinge hii machuki, tupinge mauaji. Mtoto mkongo ni kama mwingine, hatutaki genocide kwa Banyamulenge, tunapinga genocide. Oh, ana nasengi Papa Felix Tshisekedi, nasengi asa lisabiso. Ye moko alobaki Banyamulenge baza bakongole. Siko lelo abaluki ndeni nini, asa lisabiso, ata la biso. Mboka na biso e baby, mboka na biso e sili. Eloko nyonso oto ezalaki nango, eloko journée oyo ezate. Papa Tshisekedi asa lisabiso na gouvernement naye. Nayebi ba mususu bazalaka na motema mabete. Eza bango nyonso nde bazoboma biso te, eza bango te. Bao wana bazo kanisa biso pe tribalisme, o bazalaka na tribalisme te. Bao bao kanisa biso, basa lisa biso. Tenza mbe bino pe akosa lisa bino. Bo kanisa epa na biso pe, pe biso pe toza batu. Toza banyama te ako boma boma. Condoléance, te pleine et pleure. Voilà. C'est l'un des objectifs, ou l'un des objectifs, s'il faut le dire, je m'excuse, de cette émission, la réflexion, la connaissance rencontrée. Je crois que nos compatriotes qui, aujourd'hui, ils ont le poste ministériel, en suivant M. Djemadari Kilele, vous avez quand même appris beaucoup de choses. Comme on a rassemblé sans m'abêter, sauf que comprenez son émotion, comprenez son pessimisme dans l'angle, parce que c'est comme si toujours le poste est tenir compte de l'aspect sécurité, de la frontière, de l'identification. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Et vous qui êtes nommé, vous avez aussi des défis à relever, suivant la réaction du professeur Djemadari Kilele. Professeur, un grand merci pour votre temps. Merci d'être venu chez moi. Merci à tous les téléspectateurs congolais, rwandais, burundais, ougandais, africains et de partout à travers le monde. Le Congo, c'est notre pays. J'avertis les Rwandais. Parce que Zali Binukaka, nous avons envie. Bien que les Ougandais et les Burundais et les Tanzaniens et les Kenyans nous agressent, mais c'est vous d'abord. Kagame et le Rwandais ne dorment pas. Ils sont obsédés par le rêve d'être un jour seulement la capitale du Congo, que Yemoutou Azala, donc président du Congo, bien que celui qui dirige le Congo à l'extérieur. Mais vous avez un chez vous. Et pas Nabino, Ezala Mouke, Ezala Mounene, Ezala Pauvre. Mais c'est chez vous. Vous avez le Rwanda chez vous. Pourquoi vous voulez dénaturer l'histoire? Non, Banyamulenge, oh, Banaviura. Oh, ben ceci et cela. Non. Vous êtes des Rwandais. Rentrez chez vous au Rwanda. Et si vous voulez venir travailler au Congo, comme tout le monde le fait à travers le monde, il appartient à un gouvernement responsable rwandais pour trier qui de vous qui doit venir. Parce que vous ne contribuez à rien au Congo. Le Congo a besoin de cerveaux. Dites-nous, présentez-nous un Rwandais. Seulement un qui a inventé quoi au Congo? Depuis qu'ils sont là. Depuis que vous êtes au Congo. Je disais, le Congo, c'est le premier producteur mondial d'un produit qu'on appelle pasteur, prophète, bishop, etc. Le Rwanda, c'est le premier producteur mondial d'un minerai qu'on appelle le mensonge. Okay. Le premier pays producteur mondial d'un produit qu'on appelle le mensonge. Mais pourquoi vous, les Rwandais, vous mentez? Pourquoi partout vous allez vous mentez? Partout vous mentez. Vous êtes dans nos ambassades. Partout vous vous présentez comme des Congolais. Vous avez un passeport. Est-ce que vous avez un Congolais qui a un passeport rwandais qui se présente qu'il est Rwandais? Nous allons envier quoi? Et pas Nabino. Taille Nabino. Mais vous, les Rwandais, vous commencez à grossir depuis que vous avez un côté de la Congo. Chez vous, vous êtes mince, net bandaka là. Naba mino Nabino et Bimaboui. Net ba pembe yanani ya. Yanzogu. C'est aujourd'hui qu'on commence à voir Bamibal et Abino parfois. Ce sont les femmes parfois. Mais Bamibal, vous êtes laid. Nous allons envier quoi? Et pas Abino Barwande. Vous n'avez rien. Nous vous avons hébergé. Nous vous avons accueilli. Nous vous avons éduqué. Nous vous avons instruit. Nous vous avons appris l'amour de la bantuité. Vous qui n'êtes pas des bantous. Mais Arthur, vous nous avez payé la monnaie des singes. Vous êtes un mauvais peuple. Vous êtes une mauvaise graine.
Vous êtes invivables partout à travers le monde, vous les Rwandais. Cessez de mentir, rentrez chez vous. Bokossi là na Congo pour rien, une obsession d'un pays qui ne vous appartient pas, qui ne vous aime pas. Bokossi là, je le répète comme je l'avais dit, il y a un jour, quand Kagame mourra, parce qu'on nous dit qu'il est mort ou quoi, on ne sait pas, mais il y a un jour, quand Kagame mourra, le monde va découvrir qu'au Rwanda, Mibali Basila. Rwanda est tikala mboka ya basi, nous le savons. Donc on ne cause pas bino basi boy 5 6 tombe mi bino parce que mi bana bino tout bakufa à cause de l'obsession ya Congo. Kagame azoko tina bino boy kufa, nous savons que la plupart des mercenaires qui viennent tuer les Congolais ce dernier temps, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont sans doute batrabino parce que Somalie et Érythrée et Éthiopie, ce sont des Tutsis. Mingi bazoko ce sont des mercenaires. Parce que la plupart des mibali na Rwanda basila ba maimai basil sabino pia bo bozuri ngaka koyoka te. Vous allez le regretter. Même si nous voulons annexer un jour le Rwanda, c'est pour avoir quoi au Rwanda? Le Rwanda a quoi? À part Bitabe. À part Bapapei. Na vous êtes un peuple invivable, un peuple ingrat, les Rwandais. C'est moi. Je m'adresse Vibikil Kilele pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu et de tous les martyrs du Congo. Grand merci à vous, Monsieur le Président, du Parti National Congolais, ici en Afrique du Sud. C'est un réel plaisir d'écouter des arguments, des suggestions. Les révélations, c'est ça notre travail. Le propos engagé dans cette émission, c'est à lui, Monsieur le Président, qu'il est là. Merci à vous. Des commentaires à faire, n'hésitez pas. S'il y a des questions, vous engagez, vous tout n'a présent qu'il est le numéro, on est dans le petit écran. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur Congo Dialogue. On va se retrouver au prochain numéro et à une prochaine occasion, à une autre nouvelle actualité avec le Président Djemadar Kilele. Merci beaucoup, Président. Merci. Et grand merci à Jean-Marie Poupa qui était derrière la caméra. Merci à l'équipe technique et à Congo Dialogue. Merci, on se retrouve prochainement. Bye.